Tiens, je comprends rien si vous l'avez pas. Ça n'a aucun sens. Oh, par contre, attends. Max qui se retrouve en 1v2. Il veut pas prendre une banane? Après, il a pas de maths. Il va juste dodge. En tout cas, si vous l'avez pas, je comprends pas pourquoi. Ah, dommage. Dommage, c'était une bonne balle de snipe, mais il se prend un laser derrière. Ils vont peut-être jouer les mecs du reboot. Peter Bat, ouais, il est naïf. Il veut vraiment les jouer, ça va être le problème, parce que je pense qu'il a été bien vu. Il y a le bunker qui va s'ouvrir en plus. Ah non, ils l'ont pas vu, s'ils l'ont vu. Il y a le mec en haut. Il fait quoi mon gars le frère, il veut pas venir genre. Si là Savage se retrouve en 1v2 alors que c'est eux qui viennent de res, ils devraient avoir on va dire l'avantage. Du coup ils ont perdu beaucoup de temps, ils vont être obligés de dodge, beaucoup de maths. Faudrait quand même qu'ils aient le bunker. Il a pas un stuff de full hein, Savage. Ah c'est vrai que mon gars il a pas de vie. Après mon gars il dans le bunker, il va trouver du huile blanc logiquement. Ouais on voit qu'il bouge juste. Ouais c'est ça, il va aller juste join mon gars dans le bunker. Il a pas trop de maths Kaizen. Ouais par contre il a pas fermé derrière lui, c'est dommage. C'est un monstre. Oui. Oh là là, le DKS le 1v2. C'est dommage là, Kaizen il est un peu fail quand même. Le problème c'est que vu qu'il n'y a pas beaucoup de duo etc, il n'y a pas non plus beaucoup de lobby. Donc si tu meurs, tu dois attendre que d'autres personnes meurent. Tu vois, genre, ils peuvent attendre bien 3 minutes leur game et perdre beaucoup de temps. Est-ce que Kaizen se fait... Non. Oh. Attends mais ils ont tellement free pour Lynn. Y'a un mec qui monte à la tiro. Ah merde, par contre ils sont contest au fly. Ils sont pas sur la tiro devant nous là. Regarde. Moi 16. Y'a son mate à gauche, faire gaffe. Attends ouais, mais tu sais que... Monte vite. Léo aussi qui joue l'île. Non ouais, il est pas dans le même game que Layzen. Ah putain les deux sont blancs. Je crois qu'il a mis une balle de snipe je crois Léo. Non. Bah là le problème c'est que du coup j'ai l'impression que sur le choix qu'ils ont fait de les rush, ils ont utilisé beaucoup de maths. Du coup il va falloir qu'ils les jouent. Bon j'ai mis ça, moi j'ai snipe là. En bas. Mort. 2 HP. C'est même pas le mec truc hein. Faut qu'il mange une banane. Skyjump, Layzen. Je pense ça. C'était bien Skyjump Layzen. Si c'était bien dans la même game. Peut-être qu'il a plus de délai, on va peut-être pouvoir revoir la pov. C'était Layzen ou Skyjump qui l'a tué? Non, c'était Layzen. Du coup, attendez, on va pouvoir voir la pov de Layzen. Donc, ce qui s'est passé vu qu'il a plus de délai. Ah, du coup, c'est ça, il s'est pris un headshot. Du coup, on voit que ça, Léo lui ont mis une balle de snipe. Ils ont essayé de le rush. Ils sautaient dessus. Sauf qu'en montant, Léo et Voslo se sont fait griffe. Par contre, c'est dommage pour Layzen parce que Layzen et Skyjump étaient vraiment bien. 1500 de maths et tout. Tu veux le max? Moi ça! Ah, je fais! 50 blancs! Et là, du coup, c'est Léo. Ah, dommage pour Layzen et Skyjump. En vrai, on va se mettre Savage. Hein. Savage qui est en train de se fight pour regarder son premier late. Il y a une team ouais dedans, faire gaffe à pas se prendre une balle de snipe et tout. Mon rota, vos rota avec le fizz. Le problème c'est qu'ils se suivent dans leur rota, ça se fait un peu, c'est un peu chiant. Genre ils sont un peu s'autogriffe tous les deux. Bon après en même temps ils s'échangent de la storm, c'est un 10 au-dessus pour Savage. C'est sûr que c'est incroyable que Savage soit le final. Oh là, il la craque. Ah ouais là il a bien carré la storm, limite il s'en fout d'avoir le kill 227. Au-dessus il est trop bien. En plus c'est bien avec le bunker, il peut avoir là le nouveau pompe avec le gros chargeur. Il a pu le modif. Oh il est full box je crois. Oui. Oh. Le boulot, oh le boulot que Savage vient de lui faire. Mon dieu. Ouais ils ont la météo, ils ont le bunker, il a des bonnes armes. A votre avis, quel top ils font? Mais en tout cas là, ils ont un stuff etc et une game pour faire top 1. A voir si vous réussir, mais normalement ils sont bien. Mais du coup ce qui m'étonne c'est que là ils ont spawn usine, ils ont pas spawn aux enfers. J'ai l'impression que du coup ça dépend à chaque game ce qu'ils font. Là ils ont la mid prochaine zone, ils sont trop bien. Mais 53 remain, on voit qu'elle est quand même bien stack hein, les games. Les games sont quand même bien stack le chat. Hein. Bien joué, le bon kill récupéré. Ouais, faut qu'il fasse des box. Parfait. Il va falloir juste qu'ils avancent en storm, mais de toute façon ils vont avoir le fizz pour rota. Ils vont pouvoir mettre du fizz, donc se remettre à 200 plus faire la rota. Ok, là tu vois, il a fait le call justement vu que c'est un bon nigel. Il a dit tu vois on va passer par la gauche, il a vu qu'il y avait pas trop de monde, qu'il y avait la falaise et tout. Et tu vois, et là regarde, pour le moment, ils ont pris aucune balle. Hein. Alors que tu vois, ils sont quand même loin de la zone. Premier arrêt pour récupérer le sprint. Ils sont toujours trop bien, ils ont pris zéro coup. Ils se remettent du fizz juste pour la rota. Hop, sprint. Tac, Savage qui arrive à construire parfaitement. Ok, il prend 2-3 balles. De toute façon, sur une rota comme ça, t'es obligé d'en prendre. Non, je me suis fait box, mon Graal. Mon Graal, il a pris cher. Il arrive à s'en sortir. Ok, c'est bon, ils sont à côté. Ils vont pas se mettre une grosse. Bon, ils ont utilisé. Enfin, ils ont perdu pas mal de vie, mais de toute façon, vu la rota qu'ils avaient à faire dans une game comme ça, c'est compliqué. Ok, bonne balle, moins 26.
Non, le coach qui voulait push, mais le coach qui les arrête. Il a raison, faut mieux focus là, regardez la rota. Encore une fois, ils sont quand même assez loin. Ouais, là il a dit dès que le high est en train de tirer sur en bas, mon gars, je lui remets un headshot pour que vous preniez le high. Bah, ça, ça va être le moment un peu le moment clé pour savoir s'ils vont réussir à faire top 1 ou pas. Parce que réussir à avoir le high, ça te donne un free top 1, mais ce qui est très dur, c'est de l'attaquer. Tu vois, là encore, là, il met des très bonnes balles, ça va être genre. Ouais, on va mettre la maison. Parfait, ils ont le high, ils ont encore pas mal de maths quand même, mine de rien. Mon gars doit en avoir un peu plus, du coup il prendra pas sa veille. Et maintenant, normalement, il n'y a pas de raison qu'ils aillent pas chercher un top 5 là. Plus il a deux fiches, bon, ça suffira pas pour jouer les lead-off, mais c'est déjà ça. Top 5 sur 100%, bah là pour moi, il n'y a pas de raison qu'ils fassent pas top 5. Enfin, hormis, tu sais, si une équipe leur griffe le high et leur saute dessus, mais ça aurait pas trop de sens. Tu sais, si, enfin, il peut toujours avoir par exemple, pendant qu'il tire en bas, un Mongal ou un Savage qui se prennent un shot snipe. Là il a perdu beaucoup de vie blanche, il va se mettre ses fiches. Il sait qu'il pourra pas jouer le heal off. Il va peut-être essayer de trouver un moment où il y a du stuff avec des kits pour les récupérer. Ouf, il a failli se faire drop bien plus bas, c'est dommage. Ils se font pas jouer le high, parfait. Ils sont tous les deux à 200 shield. 500 balles d'air pour Savage, il a juste à spam comme un fou. 17 remain. Oh là là, oh là là, il a découpé là. Là, le but c'est de récupérer des free kills. Dommage, tout le monde est à 200 shield. Parce que là, il suffit que t'aies un mec solo ou un duo qui rotate avec 50 HP. T'as le hide, tu leur mets free ball. Là, comme ça, voilà. Voilà. Et il l'a pas tué. Il l'avait tué. Je sais pas s'il se passe box, attends il l'a tué ou pas? Non il l'a touché, j'ai l'impression qu'il a mis une balle à blanc. J'ai l'impression. Moi j'aime trop quand leur coach ils embrouillent. Ça fait trop rire. Ils vont se mettre le titre, donc là le top 5 maintenant est presque assuré. Le truc c'est, est-ce qu'ils vont pouvoir avoir le top 1? Sachant que certains, non en vrai ils peuvent pas jouer le heal off. Plus le 10 remain, c'est pas stack là. C'est pas stack donc je pense pas que des gens pourront jouer les kits. Là ils vont juste finir en sautant sur tout le monde. Hein. Enfin, pas en sautant mais justement juste en spamant comme ça. Pareil, là il a toujours full balle. Voilà la bonne balle. C'est un duo en plus, ça c'est parfait pour lui. Ah, on entend qu'il y a la stickness. Donc il peut vraiment juste pas jouer les kits du tout. Je sais pas si c'est un solo. Il est full white, enfin full blanc. Ouais, il est encore full blanc. Et là, son mate doit jouer les kids. Mais voilà, c'est parfait. Putain, ils ont tellement. C'est un cas d'école, hein, leur idée. On va voir Kaizen, hein, justement, en late maintenant. Bah, lame de fou, la limite, c'est même pas lame, c'est juste leur façon de jouer. Bah, tout ce qu'ils ont fait, c'était vraiment clean. Ils ont fait les bonnes rotas au bon moment, sans se prendre trop de tics. Ils ont joué le high au bon moment, ils ont eu le high. Ils l'ont pas lâché, ils ont spam en dessous. Tu vois ce que je veux dire, genre limite là tu regardes la gamme qu'ils ont fait, tu te dis le jeu est facile, tu vois, tu te dis moi je préfère la même chose. Donc, et quand tu te dis ça, ça veut dire que les personnes en face ont parfaitement joué, qu'ils sont à aucun moment été en galère. Bon maintenant Kaizen DKS, à votre avis ils font quoi? 1600 de storm au-dessus, et s'ils vont jouer le high, il a un sniper Kaizen, donc ils peuvent faire la même strat qu'on fait mon gars les Savage de... Quand le high tire, tu mets une balle de snipe. Ouais, ah, la zone est un peu chiante, ils ont du fizz. Ils devraient faire, à mon avis, ils vont faire un peu comme Savage. Donc faire un premier mouvement avec le fizz, se box, récupérer le sprint et fizz à nouveau. Podasnaze en late. Ah, ils sont dans la même game que DK Kaizen. T'es chouchou de CFNCS, Merstach moi. Merstach depuis le chapitre 4. Je suis trop fanboy. Après, je suis un petit fanboy de Savage aussi. Moi j'aimerais bien, en fait, moi j'aimerais trop. Bah là, après, c'est un gros duo Kaizen DKS, mais je kifferais aussi trop qu'il y ait un duo genre qui se refasse Bat Sniper DKS. Je sais pas si vous rappelez au chapitre 3. Justement quand il se contestait à Tilted contre Benji et Savage. Derrière, je me boxe. Tel mec à la PM. Viens à droite, je saute. Je vais full à droite. Bon, sur moi, c'est pris. Ah dommage, ouais et après ça va pour la rota. Et là vous voyez le choix qu'a fait Kaizen quand même, hein, il est assez drôle. Genre au lieu de rota full gauche, parce que c'était là la manière la plus rapide pour y aller, la plus courte. Il a vu qu'il y avait personne à droite et du coup ils ont fait un énorme tour. Mais il a juste perdu 50 HP dans son shield. J'ai raté quel top 1, celui de Savage. J'ai raté quel top 1 du big Savage. Mort. Bonne balle. Il y a des maths, j'ai 5. Viens, je vais tease, on va aller à droite. Ouais, je
te tuer. Vas-y. Ouais, je trace hein, comme ouais, parfait, 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 nickel. Parfait. Bon, ça m'a arrêté. C'est bon, personne derrière. Il y a un mec derrière nous. Okay. Là, là, je drop, je drop. Parfait, Kaizen qui dit qu'il faut continuer d'avancer. Il a raison, mais ils peuvent prendre l'avance de la zone. Du coup, tirer sur ceux qui vont rotat derrière et moins prendre du risque en arrivant sur des mecs. Là, ils vont essayer de les cut, donc passer devant eux. Vous voyez, genre les autres étaient en train de faire leur tard. Kaizen est passé devant, du coup, il les a cut. Il va prendre layer parce qu'il s'était collé. Ouais, je splash. Il a pu se griffe sans le vouloir. Après, honnêtement, là, les open d'hier, tous les pros se qualifient normalement. Il n'y a pas de. Oh oui, la bonne balle. Les prédits, je comprends pas que les pros on abuse pas plus, bon, ça tellement fort. Là, ta vie, ils ont rien pu faire en face. Ok, du coup, ce qu'il dit, DKS, il a 1500 de maths. Monte là sur moi. Parfait, je décale à gauche. Et là, pourquoi pas regarder pour le high hein. Mais j'ai l'impression que le high est vachement haut, donc je sais pas s'ils pourront jouer. Après, de toute façon, ils ont full maths, donc ils peuvent aussi juste, on va dire, faire une game où ils arrivent en late. Vas-y, on va aller chercher un top 5 tranquille et voilà. Fais gaffe au-dessus. On peut pas build à gauche, décale à gauche. Le high, c'est pas très haut. Ah, sur moi. C'est pourquoi pas, dommage. 50, oui, DKS il a réussi à le cut, il le refait tomber. Oh, DKS il a trop bien joué là. Fais gaffe en dessous. Oh, dommage. Moins 100. Ok, il arrive à s'en sortir. C'est bon, chill. Ah, pour moi c'était vraiment la fin là. Ok, bah parfait, il arrive à sortir. Je vais aller en zone. Il va devoir fizz. Bon, là par contre, du coup, ça devient plus compliqué. Oh, mais non. Ouais, bah, là... Oh, il m'a fait drop down dans la storm. T'es solo. Là c'est bien joué du mec en face mais pas de chat quoi. Et là tu vois encore un truc de pourquoi le high c'est trop fort. C'est que ça serait jamais arrivé s'ils avaient le high quoi. T'as des kits. Tu vois là tout se passait bien dans leur game, ils avaient full match. Tu disais qu'est-ce qui peut les arrêter. Bah juste ils se font drop dans une box et ça t'arrache tout tu vois. Et pour l'instant DTS là peut bien clutch. Il a quand même 600 de maths. Bon c'est du bois mais ça va. Il va retrouver la zone. S'il peut gratter un top 5 voire un top 3 serait incroyable. 14 remain, il doit avoir pas mal de solo. Et le 500 de bois, tu peux timer un kit avec les splash après aller en zone. Oh là là, DKS! En fait, c'est fou aussi, les joueurs manettes reviennent de fou, je trouve, sur Fortnite. Il y a un moment. Oh non, oh non, il est mort. Non, je tombais dans un creux! Non, je pouvais gratter! Oh dommage, je peux tellement plus gratter. Mon top 6, c'est quand même une bonne game. C'est vrai que c'est dommage parce qu'ils avaient de quoi faire un top 1, mais ils ont pas réussi. Et justement, on a Marius qui, eux, a été mort. Ils ont moins fait les fraggers. Oh, quand même, 7 kills, ils ont fait les fraggers. Oh, la rota de fou qu'ils font, juste ça avance tout droit, frère. Full fizz, ça s'en bat les couilles. Ça bulle quand ça leur tire dessus. Je me demande de voir les différents styles de jeu des joueurs. Parfois, avoir en différent. Et tu vois là, ouais bah voilà. Là ils ont quand même pris beaucoup plus de risques et du coup ils se sont fait punir instant. Marius qui va sûrement tomber en se prenant en focus serveur. Non ça va, il arrive à faire pas mal de box. Vous voyez de partir tout droit comme ça et tout. Ça c'est drôle de comparer les rotas entre là celles qui viennent de prendre et la rota juste avant de savage où ils font top 1. Tu vois qu'il y a une diff d'IGL dedans. Par contre c'est vraiment des fraggers hein. À peine ça se re-shield, ils sont pas encore en zone. Ça va essayer de débox des mecs. Ils sont là pour en découdre Marius et Sengen. Bon là, la rota tranquille, ils ont plus ou moins la zone sur eux. Ils vont juste mettre du fizz et faire un gros jump en sprint. Je pense que ça donnera un duo Savage Marius. 44, il la craque pour la bonne balle. Lui je pense qu'ils vont vouloir le jouer. Les solos, son mec il a pas pu arriver encore. Oh là là. Dès que ça accélère mécaniquement, ils sont présents. Et surtout que regardez moi ce stuff de fou de fragger, genre nouveau pompe violet, PM 3x3 gold. Oh là là. Oh non, derrière dans le bac. Le problème c'est que beaucoup jouaient les kills et du coup un peu avancer en mode tunnel comme ça. Il se retrouve dans des box où y a des murs sont pas eux. Genre là c'est pas son escalier, derrière lui c'est pas son mur à droite. Marius qui va devoir clutch. Oui. Ah dommage, il l'a pas mis le wall avant. 70 blancs. Est-ce qu'il va réussir à se barrer? Ah il a le mode sensu, oh mon rêve. Mon rêve, attendez je mets la musique, mon rêve qu'il fasse un clutch avec le mode sensu. Allez, fais nous rêver, montre à Fortnite que ce mode sensu on en a besoin là. On veut qu'il soit de retour, il va se faire spray pas mal. Après, il a beaucoup de maths. Hein. Il va timer les kits, il va se remettre un peu de fils pour la rota. Ah, il a la sickness, la stun sickness, donc il peut pas trop tempo la zone. Oh, le turn qui lui a mis l'autre. Est-ce que son kit va passer? Faudrait qu'il ait le temps de finir son kit et se mettre du fils. Ah, le problème, s'il aura pas le temps de se mettre beaucoup de fils, il va être à 110, 120. Ouais, même 110. 105 même. Bon, attention, ici, c'est un duo. Faut tirer l'autre son pompe. Faut qu'il prenne un layer là parce qu'il va peut-être se faire jouer par le duo. Non, ok, ça va. Il y a un body, mais il peut pas aller le chercher. Bonne balle. Ok. Frère. Let's go, Andy.
Je pense qu'il est mort, hein. Je vois pas trop ce qu'il va pouvoir faire. La zone, tu vas continuer d'avancer. Il y a encore beaucoup de maths, il devrait un peu overbuild. Ouais, bah parfait, c'est ce qu'il fait. En fait, ils prennent. Quand t'as une balle, il est mort. Il se remettra à 60 HP. Oui. Le down, c'est tout. Il a réussi à jongler de partout, attention à la sickness. À jongler de partout pour pas se faire arracher par le duo à côté. Tirer l'eau de son pompe. En vrai, mine de rien, il clutch. Hein. Le mode sensu. Le mode sensu, j'en pleure. Le mode sensu, j'en pleure. Il a donné quelqu'un de la star. Le mode sensu. Et il meurt par Freddoxy. Mais vous avez vu le clutch qu'il a fait grâce au mode. Regardez la différence de jeu entre Blaster Noah et Mario juste avant. Là, ils se font cuire le high. Enfin, ils essayent de prendre le high. Vous voyez qu'ils prennent beaucoup moins de risques. Ça joue le high, c'est tranquille. Ça avance, ça met des balles en dessous. C'est moins brouillon, on va dire. Le problème, c'est qu'il perd pas beaucoup de maths. Et que Noah, il en a beaucoup. Petite balle d'air. Ouais, ils peuvent récupérer un top 1 assez free. Enfin, surtout qu'il a 4 bananes, les kits. Il va pouvoir jouer le heal off. Il va récupérer un peu de kill, ça leur met très bien. Pas de balle. Ça, dans les jeux, tu vas aller essayer de récupérer encore des kills. Pendant que Blaster va tranquillement jouer le heal off. Et ouais, il a 6 défenses, enfin, il est trop fort. Ah, c'est bien joué. Oh là là. Bien joué, bien joué. Ensuite, et bah Léo. Tranquille, belle avec sa box. 571 au-dessus de la star, il va falloir rota la zone, ils veulent le jouer. Regardez, non, il a plus un style de jeu Léo et Oslo à la Marius et Sengen. Tu vois, la moitié des walls, c'est pas eux. Ils avancent, c'est beaucoup le fight et tout. Derrière toi. Regarde, ouais, tranquille. Ça va, le mec a raté ce balle devant. J'ai Chelo, je m'amène une mini. J'ai que du bois. Je vais te donner. On est en zone. J'ai 90 de bois. Ok, il va aller récupérer des kills. D'un côté, il a pas de maths, il a raison. Viens. Ici. Le deuxième. Ici dans sa box. Ah non, merde, il veut slow. Suis-moi. Ouais, comment j'ai envoyé une balle dans mon slow. Suis-moi. Charm. Viens là. Va 44. Il va prendre le crack, go. Go les zones. Ok, il va aller jouer. Le box. Il a réussi à mettre le wall. 4 en blanc. Mort, on s'entre tuer. Nice. Prends la splash, Chill, j'ai les mecs, tranquille. Prends la splash, à ta gauche. Attends, c'est pas un wall. Mort. Oh ce qu'il vient de faire Léo. Mon dieu, le turn qu'il lui met en sautant. Punaise, il a tellement bien joué à lui là. Ouais, il a récupéré beaucoup de masse du coup. Le problème c'est qu'il va se faire un peu attendre, ça qui est chaud. Attends gros, deux secondes. T'as terre. T'as 200 d'or. Putain, il clique quand même Léo. Il va falloir qu'il mette les kits. C'est vrai qu'il a full solo aussi, mais c'est deux kits. On va commencer à avancer sur le deuxième kit dès qu'il va se le mettre. Et qu'il a des kits lui. Ah non, il a vérifié. Je suis monté instant. Il va essayer de le tuer. Non, 92. Wesh! Bah, en vrai, il a quand même bien joué. On a quoi? On a Squadir en solo clutch avec Talmo. Comme une bonne game qu'ils nous ont fait. Encore 200 d'arbres, 200 d'arbres. Twitch. Ouais, nickel. Nice, gros, t'es un monstre. Attends, Squadir, il fait un vrai clutch. 15. Nice, va à droite. En vrai, il a quand même clutch beaucoup de place là. C'est le meilleur visu. Je suis pas sûr qu'il. Nice, elle part tout droit. Oh, oui, repars sur toi, boxe-toi. En haut. Faut pas que tu te fasses au line, gros. J'ai la stamp, presque. 16 remain. Il est trop bien. Joue full safe, gros. Joue full safe. Prends l'avance. Fais full espace, tu peux pas te faire all-in. Oh, t'es bien, t'as un excellent layer. T'as un monstre, tu peux avancer tout droit. 200 de bois. Parfait gros. Là il clutch tellement. T'as le meilleur layer, si 42 mats. Top 9, ok. Il y a beaucoup de solo. Top 9, c'est presque que des solos. Donc déjà il peut déjà faire beaucoup de kills. Soit aller gratter peut-être un top 5. Parfait. Nice, t'as la zone. Nice, t'as un monstre, prends les mats. C'est en plus, je crois que c'est le médaillon en Cerber. Parfait, t'as un monstre. Parfait, t'as un monstre. T'as des maths, petit box. T'as zéro de maths. Bon dieu, pisse-toi. On voit que des clutches de fou là depuis le début. Top 6. Top 6. Il y a deux duos encore, deux duos. Il y a beaucoup de solo. Nice, t'as un monstre. T'as 100 de maths. Ils sont juste sur 2, remonte. Nice. GG gros, mais ouais, c'est trop fort, gros. T'es trop fort, la vie de ma mère t'es trop fort. Bien joué. Ok, Savage, est-ce qu'on peut faire une prête sur Savage le modo? A votre avis, est-ce que Savage et Mongral refont le top 1? Ouais, petite musique pour les chauffer là. Round the remain. Elle a pas l'air bien plus stack que leur dernière game, donc ça a l'air d'aller. Leur coach, il leur call d'arrêter tout plus les kills, qui doivent checker bien plus leur rota. La pater. Ok, la bonne rota.
Il va avancer sur le côté droit, parfait. Il croise personne. Oh là là. Putain, mais là il est folle, cette route à la tuer de faire encore. C'est vrai qu'il a un de ses bacs, un de ses sacs à dos, mon gars. Il a un gros sac qui se pack, le gros sac que t'as quand t'es en 6ème là. Et carrément, ça lui a rajouté un slot dans le jeu. Il a 6 slots maintenant. D'accord. Oh, dommage. Ok, il va pouvoir se mettre les mini. Il a du fizz après pour se remettre full, donc ça va. 300 de maths. Ils vont aller en full low. Ça encore, hein. Très bon call. Il avait juste l'edit, du coup, mon gars ne pouvait pas edit. C'est horrible, là, ils sont entremêlés les edits, frère. Il est solo, hein. Bien joué. Oh ouais, il est mort, mon gars. Il est en HP. Là, il va retrouver la zone. Parfait, il a le métal, sans le métal quand même. Faut dire reload, hein. Il a rien de reload. Ah, attention au-dessus. Parfait, allez reload. Oh là là, ce clutch. On voit que des clutches de fou, les frères, depuis tout à l'heure. Incroyable, cette calibre. Bonne balle encore. Ah, il met tellement des dégâts à tout le monde qu'il a pas le temps. Zéro de maths. Farm. Ah, 34. Bon, bien joué quand même. Bien joué là. Allez, Malibuka maintenant. Montre-nous que t'es meilleur que Savage. Non, attends, il va la tenter. Oh le fou. DT, meilleur stage, il rigole. Genre, Malibuka, meilleur stage, il s'amuse trop sur le jeu. Genre, c'est des joueurs pro, mais en même temps, ils s'amusent. Ça passe, mais il va mourir, je pense, meilleur stage, non? Ауч! Помоги, помоги, помоги! Дай что-то, дай что-то, пожалуйста, быстрее! Руки трясутся. Банан, ресы. Синий есть? Да, да. Я дроп сон. Эй, я ту дене, по контр. Смотри, Волга, Волга, сам. Вот сам, вот сам. Я прыгну сзади него. Да, да. Дал сетку, дал сетку. Я récupéré un pompe, c'est bon. Он сейчас, вот там, вот он. 15 киллиз. C'est trop vieux, frère. Regardez, je ne peux pas. C'est incroyable, ça va bien. Non, ça peut être possible. Imaginez, genre, comme là, tu peux rigoler avec ton pote en 8ème pendant que t'arraches les FNCS, la compétition, la plus grande compétition européenne. C'est trop le meilleur duo que je pensais, genre. Oh, non, là, il a 30. Banane, il va pouvoir se mettre le splash aussi. Oh, bien joué le dash, il a tellement bien joué là, les bouquins. Parfait, full low. Там у КГ реса вообще нет, если что. Мне кажется, надо их хватить, без шуток. Если вы, если 100% он может сотеть дessus. Видишь, что чел делает? Жаль, он не capable, genre. Mais non, mais... Nice. Il va dash, je pense. 100% il dash sur le raid. Je vous avais dit, quoi. Il l'a poussé, frère. C'était ni en plus. Frère, c'est trop ce duel, il est trop légendaire en vrai. NT. INT. Ah, NT. Top 3. Bien joué, bien joué. Ah, bah on a Emir. Emir qu'on n'a pas encore vu. On va voir son light avec Novik. 54 points abattant. On va mettre un coup de jump. Bah, Rodat, ils vont fils, ils vont fils. Ah, du coup, Blasters sont bien. Par contre, Emir 56. Il est quand même au-dessus de la poêle, mais faudrait faire une bonne game là. Faudrait marquer des points pour être bien. Merfis. Ouvre. C'est là. Là, celle-là, bien. Là, celle-là. Oh, le derrière, on tient sur un truc en bois, je crois. Ouais. Ouais, tiens, là, il fait un bon truc, hein. God l'air sur moi, bien. J'ai encore full mat, juste ferme. Les gels de Emir, un jour, faut en parler aussi. Je check en dessous, en dessous. Vas-y, check toi. Là, là, Edith. Mais je sais pas trop ce qu'il lui manque, Emir. Pourquoi check en dessous, bien. Pour pas qu'il soit genre. Tier 1. Parce que je trouve qu'il. Il a vraiment un bon IGL. Non, 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 remonte, remonte. Je sais pas ce qui fait qu'il est pas numéro 1, tu vois. Tu vas, mécanique, ouais, peut-être. On passe ici, là, le grand, le grand. Mais il est pas mauvais mécaniquement, mais. Là, faut qu'il opère. Viens, si, j'ai fait. Là, 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 c'est G-Wall. On est en zone, il faut derrière. Non, il y a la zone, la zone, la zone, la zone, chill, je mets un fizz. On rota, full droite, full droite. Dis-moi quand même, chill. Chill, chill, avance, avance, avance. Oh. Full droite, viens. Ouais, faut que Novix s'y suive. Prends des kills après, là, qu'on prenne un refresh maintenant, on va prendre. Viens, là, là, en face de moi, viens, là, en face de moi. Solo. Ouais. Là. Vas-y, vas-y.
Va en le grand. Ouais, j'ai 80 maths, viens là. Non, non, ici, on est bien. On est bien, c'est-à-dire 42 maths, j'ai 0-0. Allez, Emir. Tu peux spawn par là, viens là, viens. Je suis avec toi, Oh, all-in le lui là. Vas-y, Allez, des maths, il y a des maths à gauche. Prends les maths. Parfait. GG. Il a eu 100. J'ai des maths. Ok, il a eu beaucoup, il a eu 300. Je bats tout le monde, viens. J'ai 0, referme un peu. Ouais, tiens, attends, je suis mon métal pour que tu refermes. Vas-y. En face. Reste pack, nice. Je prends le body. Tu m'as. Oh, incroyable, c'est la vie en plus. Il joue vraiment bien, deux. Emir, il s'occupe vraiment pas de faire des kills et tout. Prends. Novix, il yard, il fait le fragger. J'ai full, descend le grand. Là, il est bien, les stingers dans leur duo. DB2, faut qu'on les tue. DB2, gros. Ça va, les all-in. Il drop. Moi, centre droite. Sur moi, lâche-moi le grand. HP. C'est l'autre, un HP. Oh oui. Oh, il a fait belle, le top 1. Il a fait un sacré top 1 là à la fin. Le trou duc. Ah, bah, mets-toi tout au fizz et mets-toi la banane d'abord. Mets-toi les bananes. Ah parfait. Ouais, il est à nouveau mort. Hein. Il meurt beaucoup le chat. Ah bah Manibuka. Tiens, light maintenant. Attends, on n'a pas un light plus avancé. Reason, Vadil, ils sont beaucoup à être dans la même game, je crois. Ah mais attends, Mountain, ils sont pas dans la game à Manibuka. Incroyable. Auf hier runter einfach so. Man bauen ein bisschen, du musst ein bisschen bauen, glaube ich. Vielleicht auch nicht. Lass uns hier bleiben, lass wir wegbrechen. On met Manibuka dans plutôt le chat. Au chauffe plus Manibuka ou pas? Ouais, mais Mountain en plus, ils sont bien dans la game à Vadil et Jadir. Ah, vas-y, on va pas retourner sur les zones. On va se mettre sous double pop, vous inquiétez pas. Ok, la bonne balle. Mais en fait, là, je crois qu'il y a plein de pros dans cette game. Et Merstage, pour le moment, 11 kills de feu. C'est en train de faire, frère. La banane. Ouais, c'est un zob, il leur saute dessus comme ça. Il le tue, et il prend le high, genre. Malade, hein. Et pendant ce temps-là, Reason qui joue, toujours en vie aussi. Tu sais que c'est. Il y aura peut-être un final Merstage Reason, et ça, c'est incroyable. Il y a eu. Reason qui a peut-être qu'il était seul au high. Après, il a les dash. Elle va remonter sur la montagne. Ah non, fuck, on est proche. C'est par Reason? Par hasard? On a pas Si. Dash, mais d'ailleurs. Si, c'est Reason qui vient de tuer Merstach. C'est bien Reason qui vient de tuer Merstach. Ils sont en wood, ils sont en 1 wood, d'ailleurs. Ah, mais. Non, pas 2 et 2. 80! 120! Top 3, c'est pas mal. Naxeware qui va pas tarder à être en lane. Vico et Pink. Si on peut mettre Vico et Pink, je pense qu'ils vont arriver en late tranquillement. Après, on aura Faki. On va faire leur rota. Vico et Pink qui ont un spawn bien à eux. Il est où, Vico, frère? Pourquoi il stream, on dirait il stream dans un aéroport? Il était la grande baie vitrée qui est derrière lui. La régie qui m'a envoyé le clip d'Artil contre Mongral. Rappel, t'es 3, 2, 1. 25. Le mec à gauche, il est tout seul, hein. Vas-y, moi, je le rappelle. Dino, lui. Attention, derrière nous. Parfait, un HP récupéré. 0-0-8. Vive ma mère TikTok encore. What's that, Savin? What are you fucking doing, bro? What are you doing? Oh my god! Full peace! Full peace! Après, il les a dosés. Hein. Anti-Mongal, je sais pas s'il a fait, frère, dans un bug. Il est posé, là, il va juste attendre. Full, maintenant, les pros jouent quand même bien la DMR. Hein. Cracked again, 60. D'un côté, tu mets 68 comme ça. Pas de hit scan et tout. C'est trop bien. Il joue bien la Vico Pink. Ouf. What the fuck is going on? Pourquoi ils ont pris un foutu serveur comme ça là? Ça n'a aucun sens. Ah, il veut jouer le high? Oui, ils ont le high. Chopping again. We have to land on them. Oh là là. C'était tellement bien joué de mettre le wall pour pas qu'il puisse le mettre le mec en face. Dommage, il pourra pas avoir le body pour avoir les mats. Getting loot. Il l'a crack, bien joué. Ouais, il pouvait chercher pas le tapin, hein. 10 de mats. Fizzing. Il a 0 balles derrière, frère.
bro. I was fucking 1 HP. GG's sont forts, hein, c'est con. Ah putain, Kaizen, c'est fini. 106 Kaizen, Kaizen, les gars, il est dans le merde. 200 maths, 200 maths, viens, je casse ça. Mets ta banane, mets ta banane. 104 points. Viens, après, viens. À droite, y'a un mec, on peut jouer. Là, viens, on joue. Ouais. Nice, prends les maths. Mort. Prends les maths, viens, à droite. Elle reback un peu sur nous, y'a un mec qui a un solo là. Mort, mort, mort. Let's go. Je dash avant, je dash avant. Mais venir ou pas, je suis full maths, frère. Non. Je suis pas, je suis pas, monte, 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 Идеальная база, вы посмотрите на это. Эмир, я вам более ясно. Тебе бен. Пока Адам. Я вас сейчас возьму. 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 Allez, prends les maths, ferme le gros caillou devant. Ah, incroyable, le caillou il les met trop bien. Juste 60. 9 remain, il a 3 kits, une splash. 44, j'ai encore un caillou là-bas, farm. Le caillou qui carry tellement, frère. Je peux prendre les dash. Je vais jouer les kits moi. Mort, je me suis fait tuer. Y'a un mec en zone là. Oh, nice, incroyable. Ah, les golemons ils sont griffes. Putain, elle est belle pour Emir là, ils sont tous trop bien, frère. J'ai 20. J'ai 150. On est en train de battre, gros. Il est 50, on est à 22. Et gros, va falloir rentrer dans les. T'as combien de maths? Faut que tu me split. J'ai un siphon, c'est tout. Tiens. Moi, sans à côté, moi, sans à côté. Non, moi, sans à côté. Tac. Il nous faut le kill. Y'a le cadre, y'a l'avant. Ouais. Ah, mec, c'est mort, c'est mort. 0 maths, 0 maths. Avance, viens, viens, monte. Fasse dans la zone. J'ai un maths. Va dans les maths, va dans les maths, sur moi. C'est bon, c'est bon. Je mets une banane, je mets une banane. On se fait une box ici. Cette forme, cette forme, cette forme. Ici, on fait la box ici, on fait la box ici, vite, 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 vite. Ils ont. Recule en bas, recule en bas, recule en bas. Je suis dans l'eau. Je suis bien. Pas passé loin là. Je t'empo. Ils sont en nobule là. Non, j'ai pris une tête au snipe, la vie de ma mère. T'as un kit, je sais pas, t'as peut-être un kit, 10 points ta mot. 53, en vrai, s'il a pas de délai, ils peuvent relancer, je pense, après, non. Tu vas avoir les kills, dans 8 points d'écale, juste tu fais comme ça toute la rota, d'accord? Je te ping la zone. Quitte à prendre des dégâts, t'as 100 de vie, vraiment. Est-ce que je veux dire, il est en full stress, frère. Pourquoi tu bouges là? Non. Kit. 154. Combien de points il nous faut? 10 points. Je crois qu'il nous faut genre 6 points. Vous pensez, il proc ou pas le chat? Fabien, s'il proc. Par contre, attends, Léo, faut pas mourir maintenant. Il a combien de points, Léo? Après, il peut peut-être relancer, mais je sais pas. Non, mais je crois que c'est ça last. Non, Léo. Putain, mais ils ont encore relancé, ça va être. Ça va être, j'ai mon finir premier, hein. Y'a moyen. En plus, il rush tout le monde, là, ils s'en battent les couilles du coup. 150 points. Ah, du coup, attends, 150 points. Emir, ça dit quoi? Mais Emir 244, ça y est, les frères. Emir, il est trop cool là. Là, j'ai 5-5-5. C'est free call pour le Mimir. Par contre, c'est Vadil, moi qui me fait trop rire. Genre, Vadil, instant, il a fini, il a lancé Valorant. Ils sont quoi là, je pense. 60 de remain pour les stats. 60 de remain, on dirait ils sont solo dans la game, frère. 273 pour Dasnazy, voilà. Je fais va à gauche droite avec fils dash, on va dans l'eau derrière. Derrière, voilà, à gauche droite. Ouais, bien vu. Ouais, bonne strat ça, Dasnazy. Bon call de gauche. Vas-y, mets le dash maintenant, mets le dash maintenant. Comme ça, tu peux slide. Et après, on descend. Vas-y. Fais gaffe, il y a des ouais, faut pas se mettre sur la tiro. T'as un dash. Tyson, non, malheureusement. Vas-y, va grid. Pensez les quêtes, les gars. Par la gauche, face. C'est Léo Quall là. 18 points, frère. Elle est tellement stack. Et il est trop bien. De toute façon, là, du coup, s'il est 150, il est Quall là. Ouais, c'est bon, il est Quall de 100%, il est à 170 points. Je joue live. Parfait, la saison live, ils sont trop bien. De toute façon, Vandory main, 24 points. Commence à 2. On va sauter à l'avant, vas-y, j'avance. Là, vas-y. Saute ici. Je te suis, vas-y, choque-toi. Je descends là, t'inquiète, je te. J'ai 0. Viens avec moi, tiens, prends ça. On voit. Ouais. Je speed, viens. Go reste à deux, je loupe. C'est quoi ces bugs de son? Genre là, y'a des duos, ils jouent, ils ont pas le son du jeu, c'est ça? 90, là, faut les spray. Ils savent qu'on a rien, Voslo. Je suis mort, Voslo. T'as forcément des PR fait avant. Genre, t'es peut-être pas le mec le plus connu, mais. On va mettre sur mon corps, on est allé. Voilà. Nice! Let's go, baby! 105! Push, Marius! Fais-lui le Marius! Mort! Nice! Let's go, mon frère! Let's go! Ah, la quoi, elle est belle! Ils ont pas cru, les cons! La quoi, elle est belle! Non! Je donne tout! On a zéro zone, frère! On a zéro zone, gros! La vie de ma mère, je donne tout, gros! Je me suis préparé pour les FNCC et tout, là, si on se calme pas, la vie de ma mère, je suis au bout de ma vie, gros! Oh là là, mais gros! Non, ça passe ou pas? 158, top 947. 950, non! C'est mort, non? Elle est à 152, jamais ça passe. Where are the healing? Oh non, not there. All the way under. Mon dieu! Oh, I can hear that somewhere. Oh, this motherfucker had no words. GG.
GG. 343 frères, ils ont tué ça. Bon allez.